Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à les DG. Marie La Rose. Bonjour à toi, la DG. La PDG Stétoise. Voilà. Je mets d'abord ce parfum. Ce parfum anti-jalousie, anti-rapatriement, parce que moi je prépare mon départ, je rentre, anti-rapatriement, que chaque Africain, chaque étranger qui vit aux États-Unis, n'ayez pas peur. Sachez que ce parfum vous désenvoûte du rapatriement. Sachez que vous ne serez pas rapatrié nulle part. Que Donald Trump, il n'est rien. Mais les Américains l'ont choisi parce que les gens sont hypocrites. Tout ce qu'il racontait dans son discours, Donald Trump, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et je suis sûre que parmi les gens qui l'ont voté, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Africains sur ça, il y a beaucoup de Noirs. Donc c'était quelqu'un qui était hora. Il disait haut et fort ce que certains pensent tout bas. Il a dit. Il a dit ce qu'il pensait. Les Européens sont très surpris parce que Facebook et la télé, ce n'est pas la réalité. Vous avez entendu? Qui aurait cru? Hein? Qui aurait cru que ce monsieur-là allait gagner la façon qu'on le traitait comme un guignol, qui n'avait jamais fait la politique de sa vie, il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais été maire. C'est un homme d'affaires, mais il est venu être président. Hein? Quand on faisait les sondages, là, on disait que qui va gagner? Vous les blancs là-bas en Europe, là. Quand on faisait le sondage partout dans le monde, on disait que quoi? Que Clinton allait gagner. Vous avez vu, non? Pour vous dire que le monde change. Ne soyez pas surpris qu'un jour Le Pen prend le pouvoir en France. Vous avez entendu, tout est possible dans la vie. Voilà quelqu'un qui est sorti de nulle part comme s'il est venu là. Il est président. Et il a été voté, comme on dit là, moi je ne connais pas trop les histoires américaines, mais je sais que hier je suis parti dormir. Là maintenant, il est quelle heure là? Il est 9h. Il est 10h23 ici là. Je pense qu'en Europe, il doit être 17h30. Donc il est 10h30 ici là, ou 9h30, un truc comme ça. Donc pour vous dire que l'ombrakata, que vous parlez souvent, souvent que vous parlez, vous parlez, vous parlez là. Voilà quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il est venu, il est président. Il a dit que les Africains aiment trop l'église. Qui va fermer toutes les églises? Il a insulté Oha. Mais les gens disaient qu'on va pas le voter. C'est pour vous dire que l'être humain d'abord très hypocrite. Le voilà, il est parti, il a gagné. Les qui l'ont voté? Hein? Les qui l'ont voté, ceux qui commentaient, ceux qui disaient que non, il ne va pas. Ce sont les mêmes gens qui sont allés le voter. Vous pensez qu'il a gagné comment? Hein? Il a gagné comment? Parce que vous voyez souvent les choses ici dehors. Il a gagné comment? Et je suis sûr que parmi plein de gens qui l'ont voté, il y a les Africains sur ça, les Africains qui ont seulement eu la nationalité. Parce que l'Africain est que quand il voit derrière qu'il a cru, il ne veut pas que son frère ait ça. Comme il avait parlé qu'il va rapatrier tous les gens qui n'ont pas de papier là. Vous êtes partis le voter. Les Américains l'ont choisi. Donc, hein? Laissez ça seulement comme ça. Sachez que même en France, là, un jour, Le Pen, il va prendre le pouvoir. Vous avez entendu? Ne soyez pas surpris. Les Européens sont surpris. Nous-mêmes, on était surpris. C'est quelque chose que personne ne s'attendait. Même dans le rêve. Mais je sais que s'il a gagné, hein, c'est juste parce qu'il était face à une femme. Le monde, les Américains ne sont pas prêts à se faire gouverner par une femme. Vous avez entendu? Pour vous dire que l'histoire qu'on dit que égalité entre hommes et femmes, là, vous mentez. Vous avez entendu? S'il était face à un homme, il perdait. Mais il était face à une femme. C'est ça le problème. Face à une femme, c'est parce qu'il était face à une femme qu'il a gagné. Acceptez seulement comme ça. Les Américains ont choisi leur président. Acceptez ça comme ça. Vos histoires que vous commentez derrière Facebook, vous parlez là. Ça va changer quoi? Hein? Vous les Africains, vous êtes derrière seulement le Facebook. Vous parlez là. Et certaines personnes qui font la politique pour combattre Paul Biya derrière Facebook là. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris que le virtuel est. Ceux qui vous encouragent là, c'est les mêmes qui vont voter. Vous avez entendu?
que le virtuel ne vous trompe pas. Parce qu'il y a plein ici dehors qui sont aux États-Unis, partout, dans, derrière les caméras. Ils font la politique, ils combattent le président de la République. Pour combattre quelqu'un, ce n'est pas derrière Facebook. Hein. Vous restez derrière Facebook, vous commencez à parler l'ombrakata, l'ombrakata. Allez sur place, on voit. N'importe quoi. Dis donc. Oh. Que chaque Africain, chaque personne ici là appelle seulement sa mère pour commencer à dire qu'on lui prépare une chambre là-bas à la maison. Que chaque personne qui a duré ici, ici aux États-Unis, j'ai fait mon sac, je rentre, je voulais rester, mais pour finir, je préfère rentrer, je préfère aller en Europe. Parce que la qualité du président, c'est qu'il vient là. Vous l'avez traité de quoi là? De violeur, de ceci. Mais après tout ce qu'on a dit du monsieur là, il est président, mon frère. Non, les gens n'arrivent pas à croire. Hein? Après tout ce qu'on a dit, il n'aime pas les femmes. Il avait traité une femme de grosse. Il a fait ceci, il a fait cela. Les Européens dans les chaînes télé, non, c'est un guignol. Il ne peut pas, il ne connaît rien à la politique. Machin, mais vous avez vu comment il a gagné? Hein? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Je demande aux États-Unis, là, je veux juste savoir, hein. La population blanche est plus beaucoup que les noirs ou bien c'est égalité, égalité, juste pour savoir que entre les blancs et les noirs là, qu'est-ce qui est plus, les qui sont plus beaucoup, parce que moi je ne comprends pas. Merde, le type l'a gagné en Californie, il a gagné dans les états comme ici là au Texas, c'est normal, c'est les racistes, c'est que les blancs de souche, à New York, normal, les blancs de souche, les vrais blancs, New York. Partout là que les blancs, parce qu'il y a les états qu'il n'y a pas les noirs là-bas, trop de noirs, que c'est les blancs même. Ils ont voté le type là. Ils ont voté le type là qui n'a le blanc est raciste, le blanc n'aime pas le noir. Vous avez entendu? Vous avez compris, non? Même si tu as la nationalité, tu n'auras jamais la peau blanche. Tu resteras noir à vie, même avec les papiers européens, la nationalité. Le blanc ne va jamais accepter le noir. Vous avez vu la campagne du type là, comment c'était choc? Vous avez vu la campagne de ce monsieur? Moi, je me suis dépassée. Je suis allée dormir à 23h. À 23h ici, il était 6h en France. Et moi, j'ai vu que c'était tout lui qui ne faisait que gagner, gagner. J'ai dit que non, je préfère dormir comme ça le matin. Qu'est-ce qu'elle dit là? Que, il n'a pas gagné à New York. Non, il a gagné à New York, non? Si. À New York, oui, il a gagné à New York. Même en Californie. Bref, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que... Il a gagné. Maintenant, vous allez m'excuser. Je vais m'adresser. Vous allez m'excuser. Hein? Je vais m'adresser à la salotologue. Elle a encore osé prononcer mon nom. La salotologue Isakam. La plus sale fille camerounaise de l'humanité. Elle a encore prononcé mon nom. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Vous avez entendu? Une sale fille comme ça, Isakam, elle prononce le nom d'une fille comme moi. Elle prend encore son téléphone, elle se met dans le noir parce qu'elle est tellement sale qu'elle ne peut pas se mettre sur la lumière. Elle se met dans le noir encore pour prononcer mon nom. Et vous allez dire que Flore de Lis, il faut laisser. Hein? Une fille qui s'est mise ici sur Facebook, elle a roulé le marijuana, le mbanga. Elle a roulé le mbanga. Elle a fumé devant tout le monde. Elle a ouvert ses jambes comme ça, embrassé son anja dans la langue. Elle a pris le mbanga là artificiel ou bien c'était quoi, elle a insulté Nivakin, les jaloux, elle a porté le collant, elle a mis comment, elle va sodomiser. Elle parle tout ça. Hein? Et elle vient dire que il faut que les gens soient contre moi parce que je salis l'image du Cameroun, que j'ai dansé nu. Si tu veux revenir dans le clash, salotologue Isakam, ta saleté, tu es une belle fille, mais tu es sale. On t'a maudit au village avec la saleté. Tu veux revenir dans le clash? Va te joindre, va faire le, comment on dit là, va chercher encore les gens, tu mets derrière toi pour venir m'insulter. Toi la salotologue Isakam, je ne te connais pas, je t'ai jamais vu de ma vie. Tu m'as connu chez le Warman et quand tu es venu, je faisais dans le buzz. Tu dis que, moi, qu'il ne faut plus que les gens regardent le direct parce que c'est quand les gens regardent que ça m'encourage, ma chérie. Ça m'apporte quoi? Je suis là, je ris avec les gens. Ça me donne à manger. Ce sont les gens qui volent mes vidéos. Ils vont mettre sur Facebook, sur YouTube. Ils gagnent de l'argent derrière. Moi, je gagne quoi? Je ne gagne rien. Tu as commencé à m'insulter ici. Là, je n'étais jamais vu toi, là, Isakam. Mais tu as commencé à m'insulter depuis. Depuis que tu as manqué le respect au Waman et à Tantinika, j'étais barré.
hein, tu arrives quelque part, tu te quelqu'un créer son sa page, tu veux manquer le respect. Et comme une petite saleté comme ça, je t'apprends tous les jours à te laver. Tu es belle, mais tu es sale. Je t'ai dit, va te laver. Tu es ma petite soeur. Tu as dit que tu as 24 ans, non? Tu dois m'appeler Tata Flore. Tu as entendu? Une petite saleté comme toi, que parce que tu avais un engin, un biafré. Écoute, une Camerounaise qui vit avec un biafré, c'est un échec. Tu as entendu? Quand on avait un biafré nigérien, on se cache. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tu viens nous exposer ici là. Tu nous as pas montré ton mari au pays, que tu étais marié avec un petit gars que tu voulais exposer sur Facebook. Sa famille a refusé. Tu es parti ramasser le nanja, le plus dernier des nanjas qui cherchent les kaolos. Parce qu'un vrai nanja ne se met pas avec une Camerounaise. Tu as entendu? Tu es d'abord tellement sale. Parce qu'une fille qui roule le mbanga, le marijuana, même au pays, les grands bandits, les agresseurs, ils fument ça en cachette. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu fumes le mbanga. Tu fumes le mbanga devant tout le monde. Tu viens dire que Flore Delie, qu'on le regarde, parce que je suis un mauvais exemple pour la jeunesse camerounaise. Toi, tu es un bon exemple. Toi qui bois les comprimés d'Estasi, tu te drogues devant tout le monde. Tu dis que tu as des enfants à bas âge. Moi, je n'ai pas d'enfants à bas âge. Et quand je fais même les vidéos, généralement, je ne fais pas chez moi. Toi, tu dis que tu as les enfants à bas âge. Regarde ce que tu fais. Une petite saleté poubelle comme toi. Va te laver. Va chercher qui tu veux. Comme le renfort. Vous êtes les mingli-mingli pour moi. Vous êtes les niamselets. Tu as entendu? Une petite poufiasse comme ça. Regarde comment tu es sale. Même la saleté colle sur ta peau. Achète le kucha, tu te laves avec. Je t'ai appris à te laver. Que tu achètes le kucha. Tu vas, tu achètes clinique. La gamme clinique, ça ne coûte pas cher. Tu te nettoies, tu t'entretiens. Tu as une belle peau. Je suis contente parce que tu n'as pas fait le njansan. Le njansan, c'est un choix. Ce n'est pas donné. Parce que même pour s'asseoir, se laver. Tu ne peux pas faire le njansan. Parce que le njansan, même il faut se laver, hein. Il faut frotter. Oui, le njansan, on se frotte. On se frotte avec le kucha. Tu mets les produits, tu frottes la peau. La peau sale là qui, tu frottes. Quand on fait le njansan pour se laver, tu fais même une heure pour frotter. Parce que, ma chérie, il faut frotter partout. Tu es sale. Même si on te donne le produit que compose, tu peux. Tu ne fais pas le njansan, c'est pas parce que tu n'aimes pas le njansan, c'est parce que tu ne peux pas. Tu as entendu? Tu ne peux pas, même la lotion, tu dis que c'est un peu lotion clinique pour se nettoyer le visage. Tu ne peux pas faire ça. Tu es sale. Tu es sale. Tu es la plus sale fille de l'humanité. Tu es parti au Niger. Quand tu partais du Nigeria, tu as dit que tu as pris mon nom, tu partais me faire du mal. Pourquoi tu n'as plus pu aller chez le marabout? Ma chérie, moi, on ne m'intimide pas. Tu as entendu? Moi, je suis une reine-mère assise sur le trône. Ce n'est pas reine-mère de Facebook. Je suis ma faux. On m'a mise sur la chaise. Tu ne connais pas la puissance que j'ai, ma chérie. C'est parce que j'ai pitié de toi. J'envoie le tonnerre, ça te détruit. Tu ne connais pas ce que j'ai dans mon ventre. Tu as compris? Tu as compris, non? Quand on parle de la sorcellerie, ma chérie, même pour les nanjas, ne peut pas. Ma part, ma chérie, chouane. Tu es parti au Nigeria, tu rentres, tu commences à prendre l'eau bénie. Imbécile, si tu n'as pas pu tenir, faire les prières, tu reviens dans le clash, je suis là, j'attends. Tu es rentré, tu prends l'eau bénie. God don't give me. I don't go for Nanja. Pasto, don't béni me. Moi, je suis arrivé. Le pasto a seulement tapé ma tête comme ça. Je me suis envolé. Ouh, je suis allé tomber. Je suis rentré. L'eau bénie si. Tu faisais toujours comme ça. Que l'eau bénie si. J'ai seulement mis un peu sur moi l'odeur de cigarette. Quand je te regarde, je vois que tu fumes toujours. Tu es une mytho. Tu es venu faire un mauvais témoignage. Un faux témoignage condamnable même par l'église. Imbécile. Tu voulais créer ton... Ma chérie, tu voulais créer l'église. Depuis là, tu cherches à créer l'église avec ton nanja. Parce que c'est l'église qui donne l'argent. Bande d'escrocs. La drogue que tu vends là. Tu viens dire qu'on a dit que tu vends le piment et tout. Et tu vends que quoi? Tu vends les oignons. T'as pas de piment même. Tu es d'abord trop sale même. Parce que même dans les maisons closes, les filles, on aligne les filles. Parce que même pour passer le marché du piment, ma chérie, attends, je vais te dire un truc. Tu es trop sale. Si tu fais le piment, c'est dans les immeubles, dans les bas d'immeubles avec les Arabes, avec les Turcs. Parce qu'en Allemagne, il y a les Turcs. Pour le kebab, ma chérie, c'est sûr qu'on te baise en Allemagne pour le kebab. Comment on appelle là, la nourriture turque, les trucs turcs, là, on appelle ça quoi, le chamama. Ça veut dire ça qu'on te baise. Tu
Tu es une sale pute, tu ne peux pas. Ma chérie, tu ne peux pas faire la prostitution dans les maisons closes. Parce que c'est la concurrence du haut. Quand on met d'abord une fille, elle confirme que, ma chérie, tu ne peux pas. Donc arrête de dire qu'on a dit que tu vends le piment. Tu veux te vanter comme si tu vendais le piment. Si tu vends le piment, c'est le piment sec. Tu as compris? Tu as compris, non? Une saleté comme ça. Tu t'es mis sur Facebook, commencer à insulter tes parents, faire le faux témoignage qu'on t'avait violé. Tout ça parce que tu cherches le buzz. Tu insultes ta mère. Tu insultes ton père. Tu insultes ta famille. Tu as dit que tu étais possédé par cette personne. Ma chérie, je vais te déposséder avec ça. Ça là, enfin, parfum anti-sorcellerie. Je te dis que tu as dit que tu avais sept démons en toi, non? Que le prêtre Chouchoua, des bandits du Nigeria là, qu'on t'a enlevé combien? Qu'on t'a enlevé tous les. Quand t'as enlevé sept démons, non? Ma chérie, on t'a pas enlevé sept démons. On t'a ajouté sept démons. Donc, hein, tu as 14. Tu as compris? Tu as 14 démons en toi. Saleté. Elle se lève et commence à parler que... Ma chérie, tu crois que tu fais peur? Que tu es trop sale? Tu fais comme si tu étais une racaille, ma puce. Regarde, hein, salotologue. Saloto. Petite saloto. Moi, je connais le grand fruit de la racaille. Tu as compris? La racaille. Imbécile, regarde une poubelle comme ça là. Tu fais, regarde, je te dis une chose. Tu fais, c'est-à-dire que tu es tellement sale que quand les filles même te voient, ils ne rêvent pas parce que tu es trop sale. Quand tu arrives au pays, même je suis sûr que les gens doutent que tu vis en Europe, tu es trop sale. L'autre, tu as fait la coiffure, le magouya, les lézards, regarde les tresses que tu as fait, bleu, blanc, rouge, le magouya. Tu ne vas pas être trop sale. Assise avec le collant de 50 centimes. Sale jusqu'à ce devenu blanc. Délavé le collant qu'on voit au Cameroun. Eh Seigneur, quelle saleté. Quel poubetolo. Isakam, regarde-moi celle-là. Tu allais t'asseoir dans les bars. Même quand je suis au pays, si je bois les bières, c'est classe ma chérie. Tu es venu avec ton anja que tu veux l'embrasser. Maman, c'était dégoûtant. Ça ne pouvait même pas exciter personne. Tu gesticules, tu sors guess c'est quoi? Une saleté comme ça. Quel Camerounais peut être avec toi? Les Camerounais sont trop fiers, ma chérie. Un Camerounais ne peut pas être avec toi. Tu es trop sale. Tu n'es même pas Camerounais. Si on va chercher, parce que les Camerounais ne sont pas sales. Nous, on n'a pas. On n'a pas les dos, mais notre rouge à lèvres. Hein. Quand tu vois une fille Camerounaise, elle se pomponne toujours. Son rouge à lèvres. Elle a toujours son rouge à lèvres quelque part. Elle a toujours son rouge. Elle fouille son sac. Elle met son rouge à lèvres. Elle est toujours nyanga. Nous, les filles Camerounaises, ma chérie. Quand tu peux opérer, c'est ce que tes copines doutent fort que tu es en bain. Tu as compris? Nous, les filles camerounaises, quand tu vois une fille camerounaise, sale chose, sale, saleté de merde. Tu es trop sale. Écoute, vous avez cherché la Stamania dans les bars Congo, ça n'a pas donné. Self-service, Congo, ça, self-service. Quand j'ai commencé que j'ai donné les avertissements, que si m'insulte encore, je ferme tous ces pages-là. Moi, j'ai le monde derrière moi. Ils ont arrêté de m'insulter. Self-serve, il m'a déjà demandé des excuses que la reine, mais excuse-moi de t'avoir insulté. J'ai dit que c'est pas grave, allez continuer. Mais si j'entends encore mon nom dans un bar qu'on m'insulte, sale chose, regarde. Comme tu es sale, tu fumes là. Il y a les trucs à la pharmacie, regarde ça là. Tu poses sur la langue, je ne fume pas. J'ai acheté ça pour te montrer que tu es trop sale. Parce que même le nanja qui t'embrasse là, je vois qu'il a les nausées même quand tu fais ça. Ça, tu fais comme ça, tu poses sur la langue, tu fais ça. Tu poses ça à fond, anti-haleine. Tu as compris? Tu es trop sale. Une poubelle comme ça, tu viens parler à une reine mère comme moi. Quand tu me regardes, tu te regardes. Toi et moi, tu me vaux avec quoi? Tu ne fais plus le concert? Chouan, imbécile, va chercher arrache-clou. Tu vas chercher poids de carotte. Parce qu'il y a une qui est sortie de là, compresseur, elle n'est plus avec vous. Elle est sortie de là. Elle a compris que vous l'avez manipulée. Elle est à l'écart. Va chercher encore d'autres personnes, tu amènes. Fumeuse de Mbanga. Regarde-moi celle-là. Imbécile. Regarde-moi celle qui s'assoit jusqu'à ce qu'elle veut même parler d'une PDG comme moi. Elle passe son temps en longueur de journée à... Tu montes les faux billets de 100 euros avec le ninja. C'est comme ça que vous frappez les gens, imbéciles. Une petite vendeuse de... Tu vends que le mbanga. Parce que la cocaïne, tu ne peux pas. Tu vends que le mbanga. Parce que la coque, tu ne peux pas la coque. Tu as compris?
Chouane, tu passes ton temps à ramasser les choses dans les poubelles pour aller envahir le Cameroun avec. Tu dis que tu fais quoi? Chouane, imbécile. Tu ramasses les poubelles en Allemagne, les choses qu'on jette partout. Dans les poubelles que tu ramasses, il n'y a pas les habits là-bas. Hein? Que tu peux porter. Petite saleté de mes noyaux. Imbécile. Hein? Il ne faut plus regarder Fleur de Lille. Quand elle fait, elle ne m'appelait plus. Tu veux te faire voir depuis que tu cherches à te... Moi, je fabrique les stars. Et je défabrique. Je fais tomber quand je veux. Moi. Hein? Vous cherchez la Starmania derrière moi. De près ou de loin. Chaque personne qui prononce mon nom, que ce soit en bien ou en mal, cherche la Starmania. Cherche à se faire connaître. Parce que je suis la seule qui fabrique les stars. Je suis la seule qui peut encore mettre à terre. J'ai fait tomber les pages. Moi. C'est moi qui faisais la force des pages. Quand je suis partie. Quand j'ai décidé que ça tombe, c'est tombé. Ils peuvent publier n'importe quoi. Ça ne donnera plus jamais comme avant. Parce que quoi? La paix déjà dit que... La paix déjà dit que c'est terminé. Petite saleté. Chaque personne qui commente sur ta page, que soit ami avec moi ou pas, je bloque le profil. C'est comme ça. Chaque personne qui like quelque chose sur ta page, qu'il soit ami ou pas avec moi, je bloque. Chacun son couloir. Tu vas rester avec tes fans, je vais rester avec mes fans et mes détracteurs. Et comme une sale chose comme ça. Une Camerounaise avait un anja, elle se vante, mon frère. J'ai grandi à côté. Écoute bien ce que je te dis. Je suis une fille du Carrefour Égypte, de Ndobat. Demande n'importe qui, Ndobat, la cité, tout ça. Quand j'étais petit, j'ai grandi au Carrefour, à Ndobat. Quand j'avais l'âge de Mbinda, j'étais à la cité. Avec le père de Choupi. Hein? Ma chérie, marché Mbopi, c'est le marché tenu par les Nanja. Et dans mon quartier, plein de Nanja étaient les locataires. Et ils sont toujours les locataires. Même chez nous, il y avait les locataires Nanja. Ma chérie, quand une fille camerounaise marche avec un Nanja, elle sort que la nuit avec. Tu ne les verras jamais en journée. Elle part quand Mbopi prend de l'argent. Elle se cache. Cache-toi. Tu as compris? Petite poubelle. Isakam. Là, moi, une sale chose comme ça. J'ai pris le coup. Tu as été montré comment se laver. Tu ne t'es pas lavé. Tu viens dire que moi, j'ai montré mes seins sur Facebook. Tu dis que moi, je me suis déshabillée sur Facebook. Petite poubelle. J'étais en Allemagne. Tu es même trop villageoise parce que j'étais en Allemagne. J'ai vu comment les petites filles s'habillent là-bas. J'ai vu comment les gens sortent même qu'ils sont dehors. Là-bas, c'est un pays aussi de je m'en fous. Tu as compris? Chouane. Imbécile, va te laver. Va te laver. Je te dis ça. Imbécile, si j'ai fermé les pages, tu as vu, non? Une journée seulement, j'avais demandé qu'on ferme ta page, qu'on signale, on a signalé. Mais j'ai dit que je te laisse. J'ai demandé qu'on ne signale plus ta page, qu'on te laisse, tu restes là. Imbécile, c'est la prière que tu nous as dit que tu faisais la prière, que tu n'étais plus dans le clash. Reviens doucement, démon. Tu viens nous mentir, c'est que tu as vu. On t'a tapé la tête, tu es rentré chez toi, tu as mis le, comment on appelle là? C'est à cause de toi que sort le parfum anti-jalousie, parce que c'est toi qui nous a amené l'eau bénie de Chouchoua. Imbécile, vous êtes comme ça. Tu as sorti le truc comme ça, tu as commencé à dire que tu as mis ça trois fois sur toi, tu as vu trois lumières s'allumer. Imbécile, tu n'as pas honte de faire le faux témoignage. Hein? Tu fais le faux témoignage, salaud. Salotologue. Chouane, le conseil là que tu avais que tu m'as... Tu fumes, tu bois en cachette. Tu fumes toujours, tu bois. Mais tu viens nous faire croire que non. Quand tu vois la cigarette, ça sent l'odeur des morts. La cigarette pour toi, quand tu mets dans la bouche, que le NSI, quand tu achètes le NSI pour boire, ça te dépasse, imbécile. Regarde-moi ça, ta belle famille t'a même reçu comment? Regarde comment tu étais sale. J'ai tout traîné avec les Nanjas. Je connais les Nanjas, demande que je suis qui. J'étais PDG chez les Nanjas. Je dis que PDG, que quand une Nanja arrive dans la ville, c'est moi qu'on voit. Tu as compris? Reconnu par les niais. Tu as compris? Il faut demander à Lille, on va te dire sale chose. Que moi, avant, à Lille, même les Nanjas ont me demandé la permission que voilà une fille qui est arrivée dans la ville, elle reste où elle part. On demandait mon avis. Tu as compris? C'est parce que j'ai trop eu les points avec la police et déposé. Tu as compris? Petite chose de... La plus sale fille, comme on va te laver.
va te laver. Quand tu seras propre, tu reviens. Tu n'es pas dit d'aller faire le jansan parce que tu es tellement sale que même si tu te décapes, ça ne peut pas donner. Tu ne peux pas t'asseoir pour te laver. Petite saleté de merde. Regarde-moi une sale chose comme ça. Il est 10 heures ici aux États-Unis. Peut-être il est 18 heures là-bas en Europe. Imbécile, il y a 500. Il y a 557 personnes qui sont en train de me suivre en direct. Là, 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 là. Tu dis aux gens quand on ne me suit plus, ça me donne à manger Facebook. Au contraire, j'ai même perdu l'homme de ma vie à cause de Facebook même. Tu as compris? Regarde-moi une sale poubelle comme ça. Va chercher arrache-clou. Tu mets derrière toi. Tu prends poil de carotte. Tu mets, tu ne fais plus le concert. Petite poubelle. Et là, moi, c'est qui s'assoit et dit que j'ai fleur de... Tu, quand tu t'es assise ici, tu as écarté tes jambes. Tu as écarté tes jambes ici sur Facebook avec le caleçon de 50 centimes. Ma chérie, si c'était pas qu'on était sur Facebook, je peux même me mettre nu même. Je te montre mes sous-vêtements, ma chérie. Tu as compris? J'ai dit que si ce n'était pas que c'est Facebook, hein, ce que je me mets là, j'enlève. Écoute, ce que je me mets, ma chérie, ce que je me mets, j'enlève tout ça. J'enlève tout. J'enlève et te montre mes sous-vêtements, ma chérie. Je te montre mes sous-vêtements, tu vois. Tu as compris? Salotologue. Salotologue. Ce que je me mets, j'enlève ça. J'enlève. J'enlève, je te montre mes sous-vêtements. Petite salope. Imbécile. Prostituée de 5 francs. On t'a dit que même pour vendre le piment, il y a piment et piment, hein. Sale chose. Je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. On m'accuse que je vends le piment. Chouane. Imbécile. Tu es parti là-bas. Petit pays, t'as bien rasé. Imbécile. Tu es parti là-bas. Chouane. Tu parles à qui? Hein? Tu m'as bien regardé. Petite poubelle. Merde. Regarde-moi celle-là même. Hein? J'ai 37 ans. Ce n'est pas le Kumba. Je suis la plus vieille de Facebook. J'accepte. Vous êtes jeune. Tu as 24 ans. 24 ans. Excuse-moi, ma chérie. Tu es une pauvre fille. Pauvre d'esprit. Tu as entendu? Merde. Regarde-moi une fille comme ça qui se lève. Oh, elle va me taper. Ma chérie, tu prends le covoiturage. Je vis à Lille. Depuis que tu vas me taper, tu vas faire que... Combien de parmi vous m'ont tapé? Je vais te taper. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Salope. Tu t'es levé. Si tu as commencé à m'insulter, tu me connais où? Salotologue. Tu m'as jamais vu de ta vie. Salotologue. Tu m'as déjà vu dans ta vie? Non, tu m'as jamais vu de ta vie. Jamais tu m'as vu dans ta vie. Tu t'es assis sur Facebook, tu es venu défendre, tu as dit que j'ai insulté Nathalie. Normal. Je l'ai insulté, j'assume. Tu as compris? Tu as dit que j'ai... Flore de Lis, tu as insulté Nathalie, quoi? Oui, je l'ai insulté, j'assume. Mais après, quand elle a fini son procès, je suis venu dire que j'efface toutes les vidéos qui étaient... Que je l'ai insulté et tout, j'ai effacé tout. J'avais les 3000 partages. J'ai effacé toutes ces vidéos-là qui parlaient d'elle. Oui, c'est une femme comme moi. Normal, elle fait l'erreur. On lui demande, je me suis pas excusée parce que j'ai pas besoin de m'excuser par rapport à ça. Je lui ai dit, continue ta vie tranquillement, basta. Peut-être c'est une petite soeur même. Hein? Elle a couché, publié les photos de Beverly. Et même là, je vais aller masser le ventre de Beverly. Je vais aller masser même son ventre. Hein? Vous êtes venu ici là m'insulter. On m'a invité à Los Angeles. Hein? Je rentre demain en France. Je rentre demain et je vais revenir parce que je vais revenir parce qu'il faut que je rentre. J'ai des engagements là-bas. J'ai accepté que je serai dans les soirées. J'ai accepté. On m'a payé les billets d'avion. Je suis obligée d'être là-bas. Mais je vais revenir. Je serai en Californie, à Los Angeles. Hein? Je ne suis même pas là à Washington. On m'attend à Washington. Je ne peux pas parce que j'ai des engagements. Je rentre demain. OK? Ma chérie, je vais seulement te dire. Toi, la petite fille là. Que Facebook ne te trompe pas. Tu as combien de gens? Hein? Tu as mal la réconciliation avec compresseur. Tu as mal. Hein? Ça te fait mal, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à prendre les... Tu n'as qu'à te suicider, petite chienne. Compresseur, elle s'est fait manipuler, c'est tout. Hein? Elle ne sait pas qu'elle me connaissait, qu'elle m'avait déjà vu. Même toi-même, tu ne m'as jamais vu. Même Arrache-Clou ne m'a jamais vu dans sa vie. Jamais. La seule qui m'a déjà vu, c'est Poil de Carotte. Elle m'a vu à Lille, ça ne faisait même pas longtemps. C'est elle qui avait organisé. Comme elle prend toujours la Bible, vous les gens que vous prenez la Bible, là, vous êtes des vampires. Tu prends la Bible, tu lis la Bible devant les gens imbéciles.
Pour prier, on a besoin de s'exposer, montrer à tout le monde qu'on fait la prière. Ce sont les sorciers qui font ça, qui publient la sorcellerie sur Facebook. La prière, la prière. Si tu pries Dieu, tu as besoin que tout le monde sache que tu pries Dieu. Vous qui priez Dieu sur Facebook là, tous les jours, vous priez les passages bibliques là. On n'a pas besoin de ça. Allez prier votre Seigneur dans vos maisons. C'est en publiant sur Facebook que Dieu va encore vous augmenter quoi, la bénédiction. Bande de vampires. Vous passez votre temps à parler de Dieu, le Seigneur. Je parle de tous ceux qui parlent de Dieu là sur Facebook, qui publient les trucs bibliques là. Ce sont les déceptions qui vous font parler de Dieu. Oui, parce que hein, les gens parlent toujours de Dieu quand ils ont des problèmes. Oui, c'est comme ça. Même les églises qu'on crée là tous les jours. Ceux qui vont dans les églises, soit elles cherchent le mari, soit elles cherchent le travail. C'est tous les gens qui cherchent quelque chose. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui travaille, qui a tout, tu ne vas jamais le voir aller traîner à l'église tous les jours. Non, c'est quand il y a les problèmes que sa femme est partie. Elle part à l'église. Telle est pas à l'église. Petite salope. Tu parles à qui? Tu penses que tu es plus d'un gars que qui? Une petite fille que tu as 24 ans, tu m'appelles Tata Flore. Chouan. Tu dois m'appeler Tata? Une petite poufiasse comme ça. Elle ose Flore de Lille. Je suis ton égal. Hein? Est-ce que j'ai ton âge? J'ai 37 ans. Tu n'as pas vu que je suis grand, mais... Tu ne peux pas me respecter, m'appeler Tata Flore. Tu viens m'appeler Flore, comme si c'était que j'étais son égal imbécile. Petite poufiasse. Chaque personne qui vient là-bas, sur ton Facebook, qui clique même si c'est une photo de toi, la personne vient liker. Je supprime. Il y a plein de gens qui ne me voient plus. Pourquoi? Je les ai enlevés. Tu as entendu? Imbécile. Tu es revenu, tu dis que tu étais fait le quoi là? Que tu étais au Nigeria prier. Pendant que tu priais au Nigeria, tu m'insultais sur Facebook. Imbécile, sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est quand tu ne connais pas quelqu'un, la personne t'insulte. Maman Sarah, maman, vraie sorcellerie. Tu rentres ici, tu veux nous parler que jusqu'à les gens commencent à te demander. Tu as organisé, non? Ou bien tu as arrangé avec le pasteur, les Nigériens, on les connaît avec l'affaire des églises, les vrais escrocs. Tu as combien de pourcentage quand tu ramènes les gens? Hein? Salotologue. Tu as combien en pourcentage quand tu ramènes les gens dans l'église? Ce sont les petites salopes de Facebook là que... Les petites... Ça dit que... Je ne sais pas. Hein. Excusez-moi, je connais beaucoup de monde. Je connais le monde. Je connais du monde. Si c'était que j'étais une fille facile, facilement manipulable. C'est que je suis entrée même dans une secte quelque part. Parce que les églises là, c'est les sectes. Mais moi, quand tu m'amènes que je te dis que pardon... Je pêche trop, je fais trop les péchés, donc je n'aime pas à l'église. Je prie ma part chez moi. Je n'ai pas besoin d'écrire les passages bibliques. Oh, le Seigneur est monté au ciel. Le Seigneur a fait que le Seigneur, vous parlez toujours de la Bible. Vous parlez de la Bible, les marabouts, c'est vous dedans. Hein? Comment vous pouvez parler de l'église? Vous écrivez les passages bibliques sur Facebook. Alors que c'est vous qui dormez chez les marabouts, dans les cercueils, chez les marabouts. Hein? Vous n'êtes pas honteux. Pour avoir le mari, vous partez chez le marabout, vous partez à l'église. Pour avoir le travail, vous partez chez le marabout, vous partez à l'église. Bande d'imbéciles. Salope. Tu nous as dit que tu voulais faire une soirée, non? Poubelle-tologue. La poubelle Isaac Kamduka, la plus sale fille camerounaise. Tu n'es pas camerounaise, tu es imposteur. Tu n'es pas une fille camerounaise, parce que les filles camerounaises ne sont pas sales. Putain! Purée, mais qu'est-ce qu'elle est sale, cette petite poufiasse. Putain, mais elle pue de la gueule. Oh là là, pardon, attendez, je mets un peu le parfum parce qu'elle pue, hein. Je sens qu'elle est en train de me regarder. Elle pue tellement que je vais mettre le parfum anti-jalousie, là. Putain de merde, qu'est-ce qu'elle pue. Aïe, parfum anti-saleté, hein. Parfum anti-poubelle. Je mets le parfum anti-poubelle parce qu'elle pue de la gueule, celle-là. Petite poufiasse, toi. T'as pas honte, toi? T'es avec des mômes chez toi, tu fumes le marijuana, tu bois de l'alcool, t'as pas honte? Petite poufiasse. Mais c'est à cause de toi qu'on va renvoyer, on va rapatrier tous les Camerounais de l'Allemagne. Mais tellement tu es sale, pauvre petite poufiasse. Bah tu viens sur Facebook, tu fais ton histoire de prière de Jésus.
Mais qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ferme ta gueule, toi! Ferme ta gueule, petite racaille! Regardez-moi cette poubelle! Purée, qu'est-ce qu'elle vient parler un PDG comme moi? Sale chose! Putain, qu'est-ce que t'es sale, tu pues de la gueule! Purée, qu'est-ce que t'as des lèvres tout noires? Oh my god! Oh, homeless! Regarde-moi, c'est homeless aux États-Unis. Quand on dit homeless, ça veut dire que. Ça veut dire que. Comment on appelle en France là, les sans-abri, là, les saletés, là, ceux qu'on voit dehors. Mais qu'est-ce que t'es sale, ma petite poubelle? Putain, j'ai envie de te cracher, de te pisser dessus tellement t'es sale! T'as pas honte, tu respectes pas tes mômes! Quelle éducation pour tes propres enfants! Tu me parles de l'éducation pour mon gosse. Mon gosse, il est grand, il est majeur, il est même père. D'accord? Combien de fois t'as déjà vu, moi, je fais des vidéos chez moi, dans ma maison où je vis? Putain, mais quand mon fils est là, je fais pas des vidéos. Mais toi, tu prends le canapé, tu prends la natte, tu mets dehors, tu commences à te faire piner par ton anja. T'as pas honte? Excuse-moi, petite poubelle, excuse-moi. Tu changes des hommes comme des... Tu changes des hommes tout le temps. Excuse-moi, tu vois pas que tu traumatises tes enfants? Putain, mais chaque homme qui entre chez toi, tu vas dire à tes mômes, il faut l'appeler papa, il faut l'appeler papa. Pour finir, les enfants, ils savent plus à qui appeler papa. T'as pas honte, toi? Dis-moi, est-ce que t'as accouché tous ces enfants pour avoir de l'aide de l'État? Parce qu'on connaît comment vous êtes en Europe. C'est un sale poubelle comme toi qui accouche seulement pour avoir des aides de l'État. Mais comment tu peux traumatiser tes propres enfants comme ça? Mais on ne fume pas dans une piole, même chez moi. Je suis pas une fumeuse. Quand on entre chez moi, on ne fume pas, hein? Demande aux gens qui viennent chez moi, tu descends fumer en bas. Même dans ma cuisine, on ne fume pas. Tu vas au balcon fumer. Tu prends le njap. Tu commences à fumer le njap comme ça. Tu fumes le njap. T'as pas honte, toi? Hein? Mais purée, mais franchement, tu me donnes des nausées. Tu prends un petit ninja comme ça qui n'a pas de papier. Un petit Nigérien, un petit vendeur de drogue. Qui passe son temps à couper de la drogue avec le bicarbonate. Ce que tu vends, c'est du sucre, ma chérie. Tu peux même pas porter la cocaïne. Tu peux pas. C'est les herbes. Tu vends de la beuh. Tu vends de le shit. Tu vends que du shit. Tu es une petite prostituée à 15 euros en bas des immeubles, des HLM de l'Allemagne. Parce que même faire maison close, tu peux pas. T'es trop sale, toi. T'es trop sale. Après, tu viens nous parler. Oh God, oh my God. Oh, Jesus Christ, Jesus. Putain, mais retire le nom de Jésus dans ta bouche, sale chose. Mais purée, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve, celle-là? Purée, mais fais des vidéos. Montre comment tu cuisines chez toi, comment tu t'occupes de ton mari Nanja. Mais t'as de la chance même d'avoir un homme dans ta vie. Petite poufiasse, normalement, tu devais même pas en avoir. Tellement t'es sale. Chouane. Qu'est-ce que t'es sale, toi? Purée, qu'est-ce que tu pues? Mais purée, mais t'es dans la maison, on dirait qu'il y a l'incendie chez toi. Chez toi, tu fumes tellement, on dirait qu'il y a l'incendie et tout, alors que c'est la fumée, ma chérie. Tu fumes bâton sur bâton, bâton sur bâton. Quand tu fumes, tes enfants, ils sont chez toi, non? La fumée va partout. Sache que quand tu fumes à côté de quelqu'un qui ne fume pas, la personne fume la même quantité que toi. La personne respire la même quantité et même plus. Tes enfants, à base, là, tu les drogues déjà? T'as pas honte de droguer tes enfants avec le njab? Mais purée, mais qu'est-ce que l'État attend pour te retirer ses enfants? Merde! Qu'est-ce que l'État attend? Qu'est-ce que vous attendez en Allemagne pour donner le signal qu'il y a des enfants qui se droguent à bas âge? Purée, mais signaler à l'État? Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour signaler à l'État qu'il y a une jeune fille qui drogue ses enfants au njab, à la marijuana? Merde, c'est pas croyable. Qu'est-ce que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu peux pas quand même droguer les enfants? Tu fumes, tu roules la cigarette, tu roules un jab dans ta cuisine, mais t'as pas honte, toi? Mais purée, homeless. Si mis son nonsense gueule, il dit smell, not the shame. Du saloto, not the shame. Il dit smoke manga from for your picking. You don't know say when they smoke so you are picking their ass, then they smoke the same thing like you. You know the shame. Your family when they see you, they don't tell you say no picking smoke again for front for your picking. Eh, homeless. Eh, you don't find person where go pin you. You know see go carry some ninja boy.
Ikari Nigeria boy put on for us. Say Bikin fuck you for balcon. Poufias. You know the shame? Eh? You did nonsense, girl. He did coach me every day. He know me. He never even see me for your life. The homeless. He never even see me for your life. He just come Facebook for coach me because he defines say people can't look you. Yesterday he go do video say no, it's make people know Bikin can't look me for life. Because if he didn't look me, I go Bikin gonfle. My sister, I say, you and me no be the same thing. You understand? From today, just know say you and me no be the same thing. No Bikin try me again. I no be your friend. I no be your sister. I never even see you for my life. You just know me for Facebook. You first know me. First time we know me now for one man. One man jite ati. Now for they can't know me. He can't coach Tantinika. He coach one man. You understand? No. Then drive you for there. Now you can't enter Facebook. Open your own page for Facebook. You begin do video. Begin do video before. He give him for Travlo. Travlo don't stop saying. He not go publish again. No video for nobody because he no want enter Palaba again. Now when I don't fall down because down Stamania I don't finish. When they can't coach me because when I defend say they can't look one now. Now the thing, nobody say when I coach me for something, I nobody do nothing for una. When I don't coach me because when I defend say they can't look one. Me and you not the same thing. He don't come out for the he come out go he go Nigeria. When he come out, he tell say what he. When he come out, he tell say he de go for do jujun for me. Say he go do marabout jujun for me. Say where go reach for Africa, me I go city where I go see. A rich day, he enter for church. You understand? Enter for church. He start to say he don't go for church. Where he day for down church for social church. That time he coach me again for your Facebook. He coach me again. He don't find people for do concert for coach me. Down concert, nobody do down concert for coach me. Why? He nobody do concert for coach me. When he finish a concert for coach me, he call Europe. He start do nonsense thing for Facebook. Start to say, and then don't tap your head so you go fall. Say that man is sitting so they say don't move people for your body. Say when he then your grandpapa be enter for your body. Now the thing be the make you the coach people. He coach you down for Facebook. Open Bible. Start to say you no go smoke again because when the see cigar, you know the smoke. Nothing we don't talk. He carry water, he said down water, we, come on, la pen mem lola. Down water, we bring him for Nanja, and so he take carry the water, put him for your body, say, eh, the water, where they put away, they put down water, he see plenty, he don't see light, toile lumière, don't allume for your body. You know the shame? You know the shame? Because he don't carry Nigeria boy, put him for us. Eh? Me and you, no be the same thing. You not dirty girl. No Bikin call my name again. I tell you. No, I don't know you. You don't know me. No, Bikin call my name. If you like, I move all my clothes for Facebook. Now your Facebook. If I be do thing with bad, like a Facebook don't lock me since. You with the smoke banger for France for your Bikin. No, the talk. You don't coach your mother for Facebook. You coach your mother. You coach your papa. You coach all your family. That small boy will go lie for Africa. Say go bring her for Europe. You go there. Say don't go marry you. Bikin do put the picture for your Facebook. Your family don't say you no want see down picture for that boy for your some small boy like this. Eh? You know the shame. I know say you and your Nanja when I did for from when I did see me. May your Nanja I talk for that Nanjara boy. Down your salute, down your dirty girl. I never even know you. You don't know me. I never even see you for my life. May no Bikin call my name again. I know the play. You that Nanja boy. If you don't go find paper, find your paper. Me are the shame for you. You the Nanja boy. You know the shame? Man Bikin where the respect your body. Man where the respect. You know if you come up for Facebook with you, nonsense girl with the smell. He start do a video. Tu as vu quelle fille venir faire la vidéo ici là pour le clash avec son gars. Tu n'as pas honte? Hein? Un homme qui se respecte ne peut jamais accepter que sa copine fait le clash, il sort sur ça. Un homme qui se respecte ne peut jamais accepter. Donc c'est une poubelle de Nanja, un sans-abri. Que tu promets les papiers que tu ne vas même pas donner parce qu'on vous connaît. Vous êtes toujours comme ça. Quand vous ramassez un homme, un gars qui se cherche, vous dites que vous allez lui donner les papiers. Tu ne peux pas lui donner. Tu as promis les papiers à combien de personnes? Petite saleté.
la poubelle que tu sois. Chouane. Va te laver. Go wash your body. I show you like a dandy wash. You know if you wash your body before you can put. Me, I don't let you. Là, il te put lunettes. Il te put rouge à lèvres. Il go to say merci, Tata Flo. You understand, no? No, because you call my name again. Me, I tell you. If you want to coach me, come. Viens doucement. Si tu veux faire le comeback dans le clash, reviens. Ne commence pas à dire que Fleur de Lille, elle donne que l'éducation à la jeunesse. Vraiment, cette fille va déjà trop loin. Elle s'assoit sur Facebook, elle montre ses seins. Ce sont tes seins. Hein? Si elle montre mes seins, ce sont tes seins. Donc, depuis que tu es en Allemagne, tu n'as jamais vu les gens marcher, même nu en route. En été, tu n'as jamais vu les seins à la plage. Tu n'es jamais allé à la plage villageoise. Regarde-moi une petite villageoise comme ça, chouane, imbécile. Un petit Nigérien que tu prends pour baiser au balcon. Quand tu fermes ça, tes enfants sont où? Hein? Au balcon. Sur ton vieux canapé que tu as ramassé en route là. Je connais comment on jette les choses ici. Chouane. Regarde-moi une personne comme ça. Elle vient même oser parler à une PDG comme moi. Imbécile. Va te laver. La plus sale fille camerounaise. Moi, quand j'arrive au Cameroun, quand on me voit à distance, on sent que c'est une benguise. Je ne fais pas d'effort. Parce que, ma chérie, ça se voit que... C'est une benguise qui passe. Je n'ai pas besoin, même si elle met le caban, même si elle suit comment, on sait que la fille, là, vient de Mbeng. Mais toi, tu te mélanges au Cameroun, c'est-à-dire tu fais la honte des Camerounaises même. Tu salis l'image de Mbeng. Une fille qui vit au pays te voit. Elle ne peut jamais rêver d'aller en Allemagne. Tellement tu es sale. Regarde-moi la coiffure que tu vas faire avec les mèches de 100 francs. Ouais, quel Seigneur Jésus. Tu t'assois dans les bars. Quand je suis au pays, moi j'aime le sous-mangué. J'aime aller, je n'aime pas les. J'aime aller au quartier. J'aime aller m'asseoir même par terre. Je chope les choses comme ça. Je n'aime pas oh, les grands restaurants, non. J'aime aller village même. C'est-à-dire que j'aime les endroits simples. Mmh. Toi, tu vas même au bar, tu te mélanges au Camerounais. La sueur, c'est moi qui coule dans tes aisselles, ma chérie. C'est moi la sueur. Je ne t'ai pas appris que le citron, tu peux nettoyer tes aisselles avec. Même s'il fait chaud, ça fait quoi? Imbécile, tu dis que tu coulais la sueur parce que tu étais possédé. Écoutez-moi une sale fille. Dans la saleté, là, c'est parce que tu es possédé. Salotologue. Salotologue. Ya. Va te laver. Tu es venu nous dire ici que tu coulais la sueur, que chaque fois que tu te laves, tu coules toujours la sueur parce que tu étais possédé par cette personne. Eh, salotologue, maman, oh. Quelle saleté, oh Seigneur, tu es sale. Ouais, Seigneur, comment tu peux être sale? Comment tu peux salir l'image du Cameroun comme ça avec la saleté? Nous les Camerounais, on n'a rien, mais on est propre, on est fiers. Tu as compris? L'homme Camerounais a la fierté. Tu as compris, non? Nous sommes les gens fiers. Oui, tu es trop sale. Yema Hindi, Ngoma Hindi. Il n'y a pas saga, il n'y a pas de saga. Il y a ma hindi, ganda. Ngoma hindi. Il y a ma hindi, ganda. Poro banjo jem, metabe se gayon. Poro banjo jem, metabe se gayon. Il solme iki ken yuki. Hein? Mais ah, ouais. Ouais, ngoma hindi. Il solme iki ken yuki. Mais c'est gaillon, hein? Ouais. Ingi teme. Ingi beme. Il solme Facebook. Il solme Facebook. Franchement. Oh, chemo. Tu n'as pas honte. Hein? Je t'ai montré comment nettoyer les aisselles. Ngoma hindi. Ngoma hindi à salotologue. Oko ngoma indi o ate. Ah putain, tu sens. Tu sens trop toi cette fille. Ah putain, tu es tellement sale. Hey, purée, tu dis que tu es de quel village même là? Hein, Mamindoti Isakam. Ege otilam. Ege. Oh, Colo, maman, eh, quelle saleté, oh, quelle poubelle, oh. Ngoma hindi, oh. Ngoma hindi. Ngoma hindi. Oh. Ibe ma lepe.
Hein? Goma, il dit Yibé Malépé. Hein? Tu ne connais pas l'eau. Goma, il dit Yibé Malépé. Malép, Malép, Malép. C'est même pour se laver. C'est pas croyable. Je n'ai jamais vu. Comment tu peux être sale même à travers? Facebook même arrange les gens. Hein. Ça veut dire que même la vidéo, quand tu prends même, ça t'arrange même ton image, ça te fait même propre. Mais ta part, ça fait tout sale. Ça veut dire que tu es trop sale dans la vie réelle. Ça veut dire que tu es trop sale. Parce que quand tu mets la vidéo te rend propre. Ça te rend propre. Si ta part, que tu prends ta vidéo, tu mets ton portable, tu mets, tu es trop sale. Ça veut dire que tu es trop sale. Parce que les vidéos que nous on fait là, quand tu mets ça, ça te rend propre. Ça te fait même le jansang, ça te rend propre. Ça veut dire que tu es trop sale. Goma Hindi, salotologue. Imbécile au carré. Je vais sortir là parce que c'est mon dernier jour. Je vais sortir. Mais, ma chérie, je n'ai pas encore fini avec toi. Je m'avais chauffé mon riz. Je viens manger. Sale chose. Il est midi. Je crois qu'il va être midi bientôt. Je vais manger avant de sortir. Je ne vais pas aller tomber de là-bas dehors. Elle m'insulte tout ce qu'elle écarte les jambes. Elle dit qu'elle a porté guess. Goma Hindi, salotologue. Oshemo. Merde. J'ai jamais vu ça. Comment une fille peut être. Excusez-moi, vous avez vu une Camerounaise sale comme cette fille. Hein? Villa Concon. Mamie Ndoti. Aké. Tu as mon Ndoti pas. Achète ce coup, hein, Goma Hindi. Chouan. Regarde comment tu es sale à distance. Tu sens. Une femme qui fume la cigarette, qui fume le mbanga, c'est une sale femme. Parce que dans la culture africaine, d'abord, une femme ne doit pas fumer. Tu comprends? Et quand une femme fume même, c'est en cachette qu'elle doit fumer même. Mais toi, tu viens prendre, oui, on est en Bengue, les filles fument ici, là. C'est en Bengue, vu que les filles fument. Est-ce qu'au pays avant, vous voyez les filles qui marchent, est-ce qu'une femme marche en route, elle fume? Ce sont les Benguistes qui ont ramené ça, parce qu'on a notre éducation, nous, les Africains. Est-ce qu'avant, dans les années 90, comme ça, en 90, j'avais 10 ans et demi. Est-ce qu'on pouvait voir une femme, une fille qui marche en route, elle fume la cigarette comme ça, elle fume. Non. Non. Une femme ne fume pas. Une femme africaine, c'est notre culture, nous, les Africains. Les Benguistes ont ramené ça, on a dit que, oui, il fait froid en Bengue. Quand tu voyais une fille avant, quand nous, on était petits, on voyait une fille qui fume la cigarette, on sentait qu'elle vient de l'Europe. On tolérait parce qu'on disait que non, en Europe, il fait froid, elle fume. Mais c'est vous qui avez ramené que les filles doivent fumer. Parce que même si les filles fumaient, elles fumaient en cachette. En cachette. Tu veux t'asseoir sur Facebook, tu nous montres que tu fumes le banga. Tu viens nous montrer que tu sais mop. Avec ta bouche qui sent chouane. Salotologue. Petite saleté, va. Comment une sale fille comme ça? Elle n'a même pas honte. Je mets mon riz, je mange mon riz, je reviens. Sale chose. Merde. Sale poubelle comme ça là. Elle se lève même parce qu'elle prononce mon nom. Merde. Elle et moi, c'est la même chose, mon frère. Une sale chose que les Nanja pèsent là-bas. Que les Nanja pèsent partout. Elle vient parler. Elle vient, elle parle à qui? Une saleté comme ça, elle parle à qui? Hein? Petite saleté de merde. Sale chose de mes noyaux. Merde, une saleté comme ça là. Merde. Petite saleté. Une petite saleté comme ça. Mais elle s'assoit sur Facebook. Elle s'assoit tout le temps sur Facebook. Elle me prononce le nom de Fleur de Lille. Merde. Une petite poufiasse comme ça. Petite poufiasse. Tu parles le nom de qui? Petite chienne. Salope. Petite poufiasse. Attends, je chauffe mon riz. Donne-moi une saleté comme ça. Une petite saleté. Vous êtes venu sur Facebook m'insulter. Vous avez fait le groupe pour m'insulter. Fleur de Lille, vous m'insultez. Fleur de Lille à gauche. Fleur de Lille à droite. Fleur de Lille devant. Fleur de Lille derrière. Je vous pisse et je vous chie dessus. Chouane. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Fleur de Lille. Vous dansez même le Marco, ça avait mon nom. Imbécile. Sale pute. Une pute de 500 francs. Tu peux faire la pute, toi.
Tu es trop sale. Merde. Fleur de lit. Fleur de lit. Fleur de lit. Je suis sûr que quand tu baises avec le Nanja, tu mets mes vidéos pour t'exciter, pour l'exciter. Parce que tu n'es même pas sensuelle, ma chérie. Si ça n'était pas Facebook, j'allais dire qu'on se met nus tous les deux. Même avec mon gros ventre de la bière, je dis qu'on se met nus. Ma chérie, je pouvais même soulever et montrer mon caleçon. Tu as entendu? Parce qu'il y a d'abord les sous-vêtements. Maman, je te pisse et je te chie dessus. Salope. Salope. Tu n'organises plus la fête pour m'insulter. Petite chienne. Je suis fille de Ndobat. Moi, ne me cherche pas. Je suis fille du quartier. Quand vous tapez vos bouches, que vous sortez d'où? J'ai grandi à la cité. Demandez à la cité comment les gens s'insultent. Comment il y a les bagarres. Maman, je t'insulte, j'enlève tout. Je t'insulte, j'enlève tout. Je retire tout sur moi, je te maudis même. Faut demander à Ndobat quand il y a les Angolais. Les gens se déshabillent. Chouan, tu sais où j'ai grandi? Demandez que la cité SIC c'est où? Carrefour Égypte c'est où? On va te dire que c'est les quartiers, que chaque heure il y a les bagarres. Imbécile. Tu parles à qui? Une petite poufiasse comme ça. Petite poufiasse. Avec ta bande de saloteurs. Regarde-moi l'autre qui parle le français. Elle parle le français en patois. Poids de carotte. Poids de carotte. Elle est où même? Elle est tout dans son balcon. Poids de carotte. Imbécile. Elle vient parler le français en Yaoundé, mon frère. Une fille qui a fait combien d'années en Bengue? Elle parle le français en patois. Chouane. Bande de petites poufias. Merde. Moi seul, je vous écrase. Je n'ai pas besoin de l'aide. Petite poufias va. Moi seul, je vous écrase. Je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Petite chienne. Regarde-moi une poufias comme ça. Elle se lève tous les jours, elle prononce mon nom. Imbécile. Petite chienne va. Petite salope. Je t'insulte, je me déshabille, ma chérie. T'insulte, je me déshabille. Et tu poufias va. Tu parles à qui? Hein? Petite chienne. Tu parles à qui? Donne-moi les saletés comme ça là. Avec poids de carotte, elle parle le français en yaou. Elle parle le français en patois. Petite poufias va. Merde, ce sont les qui ça même? Donc je m'assois, une fille va se lever. Elle va m'insulter. Hey, fleur de lilo. Maman, tu es restée ta paille. Mais m'assois, vous allez m'insulter. Hey, maman, vous n'êtes pas née. Moi, ça, je vous écrase. Au nom de Jésus. Hey, lui. Sont les qui, ça, même? Je vais chercher un peu le piment. Hey, lui. On est où, là? Pourquoi va se lever même sur terre? Ouais. Ma chérie, un des miettes, vous n'avez pas. Sale chienne. Un des miettes, vous n'avez pas. Petit imbécile. Comme le Nanja t'envoie vendre le produit, tu viens nous dire que. Sale pute, tu vois. Imbécile. Donne-moi ça. Piment sec. Avec poids de carotte. Chouane. Elle s'habille couleur, poids de carotte. Il faut lui dire qu'elle ne sait pas s'habiller. Poids de carotte, je n'ai jamais vu bien habillée. Poids de carotte. Même le jour d'un mariage à partir du poids de carotte, je ne l'ai jamais vu être bien habillée. Il faut des habits tout de waka. Ça, on porte ça pour recevoir le client. Pour recevoir le client, c'est là qu'on porte la qualité là. Poids de carotte. Petite salope va. Poids de carotte. N'importe quoi, couleur, couleur comme ça, poids de carotte. Poids de carotte, elle s'habille couleur, couleur, poids de carotte. Je ne les ai jamais vus bien habillées. Toujours sale. Toujours sale. Poids de carotte. Elle parle le français en Yaoundé, poids de carotte. Sale comme... Ça veut dire que quand tu vois une fille, elle s'habille toujours mal. Les couleurs, couleurs, elle s'habille... Merde, poids de carotte. Par exemple, il faut dire poids de carotte que vraiment... Il faut qu'elle apprenne à s'habiller. Une artiste apprend à s'habiller. Elle dit qu'elle est artiste mbrakata. Artiste mbrakata. Elle ne peut même pas s'habiller.
Hein? Artiste Mbrakata, elle ne peut pas s'habiller. Une petite chienne comme ça. Souhaitez-moi bon appétit d'abord. Merde, sans les qui ça même? Vous allez vous asseoir, vous allez me regarder. Vous avez entendu? Vous allez voir. Mange le riz. Merde. Poids de carotte. Regardez-moi celle-là. Je n'ai jamais vu cette fille être bien habillée un jour. Même si elle met l'habit de 100 francs sur moi, ça va m'aller. Hein? Elle s'habille couleur, 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 couleur. Une fille qui met même cette couleur sur elle, mon frère. Maka, je dis que je suis la Ndolé fille. Je veux partir chercher le travail. N'importe quoi, chouane. Il faut dire à Poids de Carotte que j'ai dit que je ne suis pas responsable de son échec, de l'échec qu'elle a eu dans sa vie. Que sa soeur, sa nièce a pris son mari. Sa nièce vit avec son mari, son blanc. Sa nièce, vraiment les Yaoundé, je vous confirme, hein. C'est chez vous à Yaoundé que ça se passe comme ça. Comment la nièce, ta propre nièce a pris ton mari, elle vit avec. Mais Seigneur, mais si ça te traumatise, c'est mon problème. Hein? Il paraît que chez vous à Yaoundé, c'est comme ça. Chez nous, ça ne se fait pas. Dans votre culture, vous les Yaoundé, je suis désolée de dire ça, mais il paraît que ça se fait. Que vous sortez entre vous. Merde. Ta propre nièce prend ton mari. Tu viens sur Facebook, tu tombes sur moi, pas de carotte. Avec tes habits tout. Les habits tout que tu portes là, c'est pour recevoir les clients. Mmh.